Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cantina, bienvenue dans la Bronski Cantina. Aujourd'hui, annonce Sideshow, pour ne pas changer. Enfin, ils font des annonces toujours très régulièrement. Et plutôt une statue, plutôt pas mal. Je dis bien Sideshow et Hot Toys. On va passer dans du premium format. La collection Mythos qui s'agrandit une nouvelle fois. Dernièrement, nous avions eu les deux éditions de Darth Vader. Je vous invite à voir la vidéo, la Collector's Edition et l'Exclusive Edition. Avant ça, nous avions eu la Sagim Ventress, la Palpatine, la Darth Maul, et encore plus vieux que ça, nous avions eu bien sûr toutes les toutes premières Mythos qui étaient sorties il y a quelques années chez Sideshow, qui étaient de mémoire la Kenobi, la Boba Fett, la Gamorrean Guard. J'en oublie. Aidez-moi, j'oublie. Boba Fett, Gamorrean Guard, il y avait eu quoi d'autre? Eh bien, je ne sais plus, c'est une catastrophe. Vous allez me rappeler en commentaire, c'est pas grave, je perds la mémoire. Bon, bref, une nouvelle de plus, et ce coup-ci, c'est la Yoda, qui sort évidemment encore une fois en deux éditions, la Collector's Edition et l'exclusive. Donc, on va regarder ça de plus près. Un peu d'ailleurs dans le même style que la dernière Darth Vader qui est sortie, dont l'exclusive édition était superbe, avec le casque exposé, on voyait le visage d'Anakin Skywalker, les flammes. Une pièce que j'avais commandée chez Sideshow, que j'ai annulée. Uniquement pourquoi, pas le prix de vente particulièrement qui est cher, mais les frais de douane, les frais de transport, comme je vous le dis à chaque fois, étaient. J'en avais entre le shipping, parce que c'est une pièce qui est très 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 lourde, et les frais de douane, j'en avais pour 200 euros de plus. J'ai annulé. Je vous conseille plutôt d'aller chez Album Comics et de commander la statue là-bas. Le seul problème, c'est qu'il n'y aura pas l'exclusive edition, mais que l'édition normale. Mieux que rien. Bref, aujourd'hui c'est la Yoda, donc dans la même collection. Notre petit bonhomme vert préféré. Donc ça, c'est l'édition classique. On va aller voir évidemment les photos, ce qu'ils nous disent de plus. On voyait la taille, 17 pouces, et on est dans les classiques dans les statues Sideshow. Si vous les comparez avec un iPhone 14 ou un Samsung Galaxy, ça vous donne une idée. Il met toujours la petite pomme ici pour voir la différence. Donc Yoda en position d'attaque a fait qu'un peu sa veste, sa tenue Jedi est un peu déchirée. Sur le socle, alors, il y a des flammes et tout, je ne sais pas trop ça correspond. J'imagine que c'est un vaisseau des droïdes de l'attaque des clones. Je ne suis pas sûr de moi, mais on vérifiera plus tard. Voilà le petit Yoda, vous remarquerez quand même le dessin. Sideshow, ils sont très forts quand même. Au niveau des sideshow, des statues, pardon, ils sont très très forts au niveau du design et tout. Ça, ils savent faire. Moins bien sur les 1 sixième scale, je trouve. Je trouve que Hot Toys a des longueurs d'avance, mais ça, je vous en ai déjà parlé très souvent dans les vidéos, et que je vous invite à voir d'ailleurs. Sur les statues, par contre, c'est du lourd. Ils savent faire le détail, les sculpter, les vêtements bien fixes, tout ça, ils savent faire. Là, on est à côté d'un ordinateur pour voir la taille. Donc, vous voyez, la statue en elle-même est très grande. Bien sûr, le personnage de Yoda, lui, est petit. C'est normal, il est à taille. Le Yoda Mythos. Voilà, donc ça, c'est encore les mêmes photos sur plusieurs angles différents. J'apprécie particulièrement, moi, c'est le socle qui est plutôt bien fait. Donc ça, c'est des flammes, hein, c'est de la lave, j'ai l'impression. J'aime bien la cape comme elle est faite, les cheveux grisonnants de Maître Yoda, c'est plutôt sympa. J'aime bien particulièrement le visage un peu méchant d'attaque comme ça, et pas juvénile de Yoda. Le sabre laser vert, ce qui est marrant, avec un petit renfoncement ça, au niveau de juste après la crosse. Étonnant. Voilà, on va voir le visage en plus grand. Voilà, vous voyez le détail des yeux. On a l'impression d'être un être humain et non plus une personne de sa race, quoi. On appréciera le petit bracelet ici. Son petit collier qu'il a comme d'habitude. Son ceinturon, sa tunique de Jedi. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt une belle réussite au niveau du pépère. On va tout de suite aller comparer avec évidemment l'édition exclusive. Et là, on voit tout de suite quelle différence. Bah, évidemment. Le portrait n'est pas le même, le visage on va voir, et là évidemment la lame qui est un peu en feu, enfin qui fait des effets un peu spéciaux, un peu comme la lame de Darth Vader dans l'édition Mythos. Vous regardez les cheveux, c'est plus style japonais, tiré bien en arrière avec une petite queue, je crois qu'on va voir, voilà ici, ça fait très 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 style samouraï japonais, c'est plutôt sympa, plus agréable, et vous allez voir que pour la différence de prix, autant prendre celle-là si vous pouvez prendre celle-là. Donc, vous voyez, il y a deux différences des sabres. Une avait un sabre, on a l'impression qu'il est en mouvement, mais on a l'impression qu'il est en train de fondre. C'est un peu bizarre. On va avoir une photo. Voilà. Le reste, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas d'écart. Effectivement, le socle, c'est le même. Voilà.
Petite préférence, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est un choix. Hein. Le sabre laser, c'est à discuter. Hein. Par contre, au niveau du visage, je trouve que le visage de Yoda comme ça, style japonais, les cheveux tirés en arrière comme un samouraï, personnellement, j'adore. Donc, on va voir les deux prix différents et vous allez voir que la différence est très 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 minime puisque la Collector's Edition est à 555 € et 87 centimes hors shipping et hors frais de douane. Et il y a 573,37 pour l'exclusive. Enfin, même pas, parle même pas de 10 euros. C'est quand même un truc extraordinaire. Donc, pour la peu de différence, si vous pouvez l'avoir, prenez l'exclusive de Yoda. C'est un conseil que je vous fais. La date de sortie, bah, ça va, c'est plus raisonnable que les 6e scale, puisque on espère pour décembre 2023 à mars 2024. Donc, de décembre 2023, comme d'habitude, ça va être l'Asie en premier, puis les Américains, puis l'Europe. Il faut donc, je pense, pour mars 2024, donc d'ici une petite année, on l'aura en France, à moins qu'il y ait de l'avance chez Sideshow. En général, ils sont plutôt dans les temps sur dans les statuts. C'est plutôt pour les 1/6 scale qui sont souvent en retard. Voilà, donc comme d'habitude, évidemment, c'est chez Sideshow, vous avez le flexible paiement qu'à partir de 63 euros par mois, vous avez un dépôt qu'il faut faire tout de suite qui n'est pas remboursé si vous annulez la statue. Le reste, c'est par mois. Je ne sais pas si on le voit ici, on va aller voir. Voilà, vous voyez, voilà. Le dépôt qui n'est pas remboursé, c'est de 56 euros. Et après, vous pouvez le faire en 8 fois, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Enfin, vous avez largement de quoi faire et de quoi vous satisfaire et que votre carte bleue soit pas en déprime. Voilà, évidemment, comme d'habitude, le jour du mois que vous voulez pour le débit, jusqu'au 4 décembre 2023, c'est plutôt pas mal. Le dernier paiement, comme d'habitude, il rajoute le shipping et après, vous faites choper à la douane et les frais de douane, comme d'habitude, qui vont rajouter plus de 20%, évidemment, et ça n'a pas d'oublier, pas ne pas oublier. Donc, voilà, ça, voici pour cette preview. Sideshow, la nouvelle Sideshow Mythos, ça va être une limited edition. Ils disent pas à combien d'exemplaires. Bon, je pense que, quand même, plus d'exemplaires, ça me paraît logique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite statue pour une petite preview un peu rapide, mais il n'y avait pas besoin de faire plus. Voilà. Je vous embrasse fort. Un petit commentaire pour me dire si vous allez la commander laquelle. N'oubliez pas, encore une fois, il faut mieux attendre et aller commander chez mes amis d'Album Comics. Ça sera mieux et vous serez très bien reçu. Voilà, un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Les notifications si vous voulez savoir quand les vidéos sortent. Il commence à en avoir pas mal. Évidemment, de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo pour la dernière update avant la Star Wars Celebration qui a lieu la semaine prochaine. Je vous fais la vidéo juste après et je vous la mets en ligne. Je vous embrasse fort. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci de me suivre et je vous dis à très vite. Salut tout le monde et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas. May the Force be with you. Je vous embrasse. Salut à tous.